Je t'ai déjà dit que non. Cet enfant-là, c'est pas pour toi. Mais pourtant, vous le savez que j'en ai besoin du petit sauvage. Pour de ça, je me disais, M. Curie, ça doit pas être drôle d'être un père pour un... Un curie. Vous savez comment est-ce que j'aime ça, les enfants, moi? Et si mon azalée avait pu, là, m'en aurait donné 10, 12. Vous allez voir, le petit sauveur, il va être traité comme un prince à la maison. T'es jamais content, Napoléon Gadois. Tu voulais un garçon, je t'ai fait avoir un orphelin. Puis à cette heure que tu l'as, il te faut le petit sauvage. C'est un imbécile que j'ai à la maison, M. le curé. Il est peut-être fort des bras, mais il est pas fort de la tête. Faut toujours lui dire quoi faire. Puis quand on lui dit pas quoi faire, il fait rien. Pour là de ça, il y a des mauvaises idées, M. le curé. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, quand je serai plus capable? T'as une fille? Ma fille? J'ai bien fait là-dedans, elle. Un jour, elle va se marier, non? Je me demande bien avec qui. Je vais y en trouver un mari, moi, s'il faut. Ça va me donner quoi, ça? Ça va te donner un gendre. Puis ton gendre, tu l'amèneras vivre chez vous. Ouais. Elle a pas vu ça de même. Il avait pas vu ça de même. J'ai fait du ménage dans vos dossiers hier soir, papa. Eh oui, je sais. Je te remercie, ma belle. Je t'avais pas pour prendre soin de moi, toi. Je me demande bien ce que je deviendrais. J'aime ça m'occuper de vos patients. C'est comme rien, je dois avoir des dons pour être garde-malade. Mathilde, as-tu parlé à ta mère, toi? Maman est malheureuse. Je le sais. Je pense que je m'en rends pas compte. Vous vous êtes parlé? Oui, mais... Tu sais, des fois, dans la vie, là, ça se passe pas toujours comme on veut. Ton nouvel élève, comment ça va? Clovis? Mm-hmm. Ça va très bien. Ah oui? Il est extraordinaire. Il fait des progrès, j'en reviens pas. C'est bien. La maîtresse d'école m'a dit que tu t'occupais comme il faut de Clovis. Je suis content de ça. Ça me fait plaisir de savoir que tu prends ton rôle au sérieux, Jérôme. Inquiète-toi pas, je lâche pas d'un œil. C'est pendant les récréations surtout qu'il faut faire bien attention pour pas qu'il saute. Ben, je fais attention aussi. Je sais. Mais s'il se pousse pareil? C'est toi le seul responsable. Mais pour ce qui est de ce que tu m'as demandé, là, juste avant la classe, j'ai bien réfléchi. Puis si tu me dis que ton père t'a accordé la permission, réponse est oui. Clovis peut rester accouché chez vous à soir. Ah oui? Attention, là. Hein? C'est exceptionnel. Mm-hmm. C'est parce qu'on arrive à la période des fêtes puis qu'il est bon à l'école. Maudite érode de misère. L'été prochain, on va se crayer d'une barre à pompe. Écoutes-tu quand je te parle? Oui, M. Poléon. J'écoute. M. Poléon. M. Poléon. Si c'est pour m'achaler pour aller à l'école, j'ai dit non. Non, c'est non, maudite érode. Un orphelin agricole, c'est un orphelin agricole. C'est pas fait pour aller à l'école. Juste la veille de Noël. Il paraît que Mlle Mathilde a dit qu'il y aurait une fête. Il y a une belle crèche. Puis elle va faire tirer une image. Laisse faire l'image! On a tout le bois scié, là. Je vais tout le faire. Ben, il fallait qu'on verra après. Là, je suis content, par exemple. Je vais tout faire ça, là, rien que sur une prime. Ah ouais, gros, il se fait pas qu'on gèle comme des crottes. Ah ouais! Pourquoi tu dis qu'on est pareil? Chut!
où mon père m'a abandonné. C'est-tu Sam, ton père? Oui, c'est mon père. Mais il veut pas de moi. C'est pour ça que M. le curé te garde. Ça doit pas être drôle de rester avec M. le curé, hein? Moi, là, je serais assez gênée. Ben, je veux pas rester là. Mais si tu veux rester là-bas, t'as plus de mère pis ton père. Ben, je veux rester ici, avec toi. Tu peux pas, c'est là que tu restes. Ben, je vais me retourner dans le bois, là-bas. Hein? Tu peux pas faire ça! Vous entendez, les petits gars? Éteignez la lampe! Je lui donne ma parole à M. le curé. Tu comprends? Puis je défends de faire ça. Promets. Si tu fais ça, là, tu pourras plus venir à l'école, mais Mlle Mathilde va être triste. Ça, j'aime ça aller à l'école, par exemple. Bon, tu vois. Puis en plus, là, si tu me promets de pas te sauver demain, on va y faire une belle surprise à Mlle Mathilde, toi puis moi. Tu me promets-tu? Ouais. Hey, hey, les petits gars, là! Rentrez ou bien sortez, mais fermez la porte. On chauffe pas pour dehors ici dedans. Oui, papa. Pas le seul, vous autres. Vous allez être en retard à l'école, hein? Ça fait un bout de temps qu'Olivier est parti. On veut faire une surprise à Mlle Mathilde. Ah, ça, c'est fin, ça. Ah oui, quelle sorte de surprise que vous voulez faire à Mlle Mathilde? On veut lui donner les paparman. Oh, les paparman, là. Mais ça prend des scènes, ça. T'en as-tu? J'en ai une. Bon, donc, ouais. Wow, t'en as de l'argent, mon garçon? J'ai trouvé. Puis moi, j'ai ça. Ah ben, c'est vrai, hein? T'as tout ce qu'il faut. Tiens, Gédéon. Donne un sac de paparman au type. Ouais, pis je m'en veux pas tout ça en même temps, là, vous autres. Ça va tomber dans le ventre, ça. C'est pas pour nous, c'est pour Mlle Mathilde. Ah, c'est vrai, c'est pour Mlle Mathilde. Celle-là, c'est pour vos autres. Mais tiens, t'as pas besoin d'avoir peur. Prends-la, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on dit, là? Merci, madame. Celle-là, c'est pour toi. Merci, madame. On va vite à Colvis, on va t'apprendre à l'école. Maîtresse va te dire là, firme un gadois. Ouch! Voilà, moi, je vais t'avoir. Vous allez vous asseoir? Bonjour, mademoiselle. T'as amené ton grand frère? Bonjour, firme. Comme c'est toi le plus fort, tu vas nous rendre service. Oui, mademoiselle Mathilde. En attendant que la classe commence, tu serais gentil si tu voulais nous rentrer du bois. Mm-hmm. Tu vas enlever ton manteau, Héloïse. On va commencer bientôt. Ah ouais, Clavis, t'as dit? Qu'est-ce qu'il y a? Clovis, c'est quelque chose pour vous, mademoiselle. Ah oui? On voulait vous faire une surprise. T'es pas par mal, mademoiselle. Ah, que c'est gentil. C'est un beau cadeau de Noël. C'est toi qui as pensé à ça, Clovis? Non, c'est Jérôme qui a eu l'idée. T'es donc fin, Jérôme, d'avoir pensé à ça. Ça va être assez firmé. Va t'asseoir, la classe va commencer. Léonie? Maintenant, on va faire tirer une belle image. Ah! C'est l'enfant Jésus resplendissant de lumière. Plus proche, mademoiselle Mathilde, on veut voir comme il faut. À présent, on va voir si vous avez le sens de l'observation.
Je vais vous poser une question et l'élève qui aura la bonne réponse va gagner l'image. Qu'est-ce qu'on va faire, Mlle Mathis? Il y en a plusieurs de bonnes. On va détailler. Vous avez tous vu l'image comme il faut? Oui. Qui peut me dire combien de personnages il y a? 10! Clovis, t'as rien dit, toi? 7, mademoiselle. Allez, Firmin. Donne un chiffre. Hey, c'est pas juste, Mathilde. Il n'y a rien qui est venu deux fois ici, lui. C'est vrai, il n'y a pas le droit, mademoiselle. Qui nous a rentré du bois? Il a travaillé aussi fort que vous autres. Puis c'est pas de sa faute s'il peut pas venir souvent. C'est parce qu'on a besoin de lui à la maison. 7, mademoiselle. C'est exactement ça. Bravo, Firmin. Mais on a deux gagnants. Il va falloir détailler, toi et Clovis. Regarde-moi pas de même. C'est toi qui as dit le même chiffre que moi. On va commencer par Firmin. Firmin, donne un chiffre de 1 à 5. Je ne sais même pas compter. Un, deux, trois, quatre ou cinq, Firmin. Un. Clovis? 4. C'est exactement ça. Félicitations. Me voyons, Firmin. Ça sera pour une prochaine fois. Ça n'aura pas de prochaine fois. Monsieur Paléon, il veut jamais. Il faut toujours que je travaille. Sans ça, je me fais mal. Joyeux Noël. Ça y est. Ça y est. J'espère que vous allez passer un joyeux Noël. Et que le petit Jésus va remplir vos bas. Joyeux Noël. Joyeux Noël, Jérôme. Tiens, je te donne. Prends-la. Putain, il marche. Arrive, laisse-les faire, eux autres. Tenez pas trop, les filles. Léonie, ramène ta petite sœur à la maison. Oh oui. Viens, Clovis, il faut qu'on s'en aille. Hé, hey, Villeneuve, tu joues-tu en mer avec le sauvage? T'as-tu peur de perdre ton chien de poche, tu clus? Moi, peur! C'est que tu te trompes, chose. Mais qu'est-ce que t'attends pour le laisser tranquille? D'abord, c'était pas une famille. T'es donc niaiseux. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Il y avait trop peur du curé pour se pousser, hein, Clovis? Dis-le donc que t'as peur du curé. J'ai pas peur. Il a peur de rien. C'est un vrai Indien. Toi, la fille, ferme-toi la dent. C'était si bon que ça. Qu'est-ce que t'attends pour prendre le bois, hein? T'as pas le cœur, hein? Un vrai chieux à culotte. J'ai pas peur, chose. Peureux, peureux. Chieux à culotte, pisseux. Pleurine. Poule mouillée. Sauvage. Pas bon. Vas-y, Clovis, montre-leur que t'as pas peur. J'ai pas peur de me pousser, si tu veux savoir. C'est vous autres qui êtes peureux. Ouais. Pensez-moi si vous êtes capable. Clovis! Tu sais bien que tu peux pas courir, Jérôme Villeneuve. Il s'est sauvé. Je l'ai perdu. Je l'ai fâchonné par mon père. Puis monsieur le curé, il m'a donné la strappe. Puis... Tu veux que je t'emmène voir le docteur? Non. Ça va aller mieux. Jérôme! Ah, t'es là! Vous allez vous user les yeux à le guetter de même, monsieur le curé. Je le guette pas. Ben, le petit Jérôme l'a juste amené chez lui pour lui donner son bas du jour de l'an. Oui, mais je regarde dehors, Ernestine. Ça veut pas dire que je le guette, ça. Ben, ça fait un bon bout de temps que vous avez le nez collé au châssis. Voyons donc. Vous avez beau dire, vous y tenez, cet enfant-là. Évidemment, j'y tiens. C'est mon pupille. Sinon, s'il arrive pas, il va être en retard à la grand-messe. Non, Jérôme, viens te mettre à genoux, gros, et on t'attend, là. Toi aussi, Clovis, là, t'es mon filleul, viens à genoux avec les autres. Bon, mettez-vous à genoux.
Mes chers enfants, je suis bien content de vous avoir autour de moi. Monsieur, il nous manque Félix au chantier, Zoé à Québec, puis votre pauvre mère. Mais je suis certain qu'elle nous regarde de là-haut, au ciel. Bon, ben, je vais vous bénir, pasteur. Que la paix soit avec vous. Je vous bénis, mes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bonne année! Bonne année! Bonne année! Bonne année, mon gars! Bonne année, mon gars! Jérôme, tu l'as vu, t'as pas pris ton vote du jour de l'an? Il y en a un pour toi, regarde! Ton nom est marqué dessus! C'est une orange, on en a toute une! Une orange? T'en as jamais vu des beaux fruits de même, maman Clovis? Je comprends, moi non plus, je n'en avais jamais vu avant. Bon, ben, c'est le plus chaud chez vous. Faut que tu t'en ailles à cette heure. Monsieur le curé doit t'attendre. Clovis! Oh. Bonne année, grand nez. Tout pareillement, grande dent. Je vous remercie, Dieu Tout-Puissant, pour nous avoir comblés et nous avoir donné à Amanda et à moi des filles superbes que j'aime profondément. Que votre bénédiction descende sur leur tête, dans leur cœur et sur notre maison. Je vous bénis. Je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je te le donne. Ça se fait que t'as pris tant de temps que ça chez Jérôme. Qu'est-ce que t'as fait? Cheveux de feu. Qui? Le père de Jérôme, bon. Il a donné la bénédiction paternelle à tout le monde. Puis à toi aussi? Ouais. Il me l'a donné à moi aussi. Ouais, ben, quand ben même il te l'aurait donné 10 fois la bénédiction paternelle, ça compte pas. Ça compte pas? Comment ça? Réfléchis une seconde. Comment ça s'appelle la bénédiction paternelle? Ben, ça s'appelle la bénédiction paternelle. Justement. Et Honoré, lui, c'est-tu ton père? Non. Donc, ça compte pas. Mais je peux te la donner, moi, si tu veux. C'est Sam, mon père. Non, c'est Sam, ton père. Ben, tu pourras toujours attendre après la bénédiction paternelle, mon petit gars. Y a pas de danger que tu reçoives cette année, parce que c'est pas le protestant qui va venir te la donner. Puis regarde-moi pas comme ça, hein? Non, Wayne, monte à ta chambre. Prendre ton veston pour la grand-messe, espèce de sans-cœur. Clovis, pour avoir été en retard, ça ne servira pas à la grand-messe.
bien chers frères et mes bien chères sœurs, s'il est une tradition sacrée entre toutes les traditions, c'est bien celle de la bénédiction paternelle. Voyons, qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien qu'il n'y a pas de place. Mais oui, poussez-vous un peu. Pousse, Marguerite. Fratres et fratresses. Hortes enim corpus meum. La plupart d'entre vous vont faire leur première communion à Pâques. C'est pour ça qu'il faut aller à la confesse. La confession, c'est le sacrement par lequel on lave son âme de ses péchés. Parce que c'est pas beau d'aller communion en état de péché. Quand j'étais petite, je croyais que le confessionnal, c'était des toilettes. Je peux se voir. Demain, vous allez tous vous confesser à Monsieur le curé. Je trouvais ça drôle aussi que le curé aille toujours s'asseoir. Deux toilettes. Vous levez Sauvageau? Oui, mademoiselle. Es-tu en train de confesser tes péchés à Jérôme? Non, non. C'est mieux. Si tu me disais ce qu'il faut faire en entrant dans le confessionnal. Je t'écoute. Mais qu'est-ce qu'on dit? On dit je me confesse à Dieu Tout-Puissant. Et à vous, mon père. Ton signe de croix. Mais qu'est-ce que t'as appris, toi, à l'école? Non, t'es pas mort, là? Non, t'es péché à cette heure, mon enfant. Mais qu'est-ce que t'as dit? Mais j'en ai pas de péché, bon. Ben, je vais te le dire, moi, t'es péché, puis tu répéteras après moi. Je m'accuse de superstition. Ah oui? Je m'accuse de superstition. D'avoir désobéi, d'avoir tenté de me sauver. De découragement et de désespoir volontaire. Répète, puis pose pas de questions. Je le sais, moi, ce qui est péché, puis ce qui l'est pas. Oui. De découragement et de... désespoir volontaire. Volontaire. D'avoir couché dans le même lit que ma mère et d'avoir touché son corps. C'est péché, ça. C'est péché mortel. Oui, répète. D'avoir couché avec ma mère. Et d'avoir touché son corps. Et d'avoir touché son corps. D'avoir été un sujet d'impatience et de colère pour le curé. D'avoir été sujet d'impatience et de colère pour le curé. Bon, pour ta pénitence, tu me réciteras « Si je vous salue Marie », puis tu enlèveras ton fétiche. De quel fétiche? Non, mais ton petit oiseau, là, dans ton cou, là. C'est péché, ça aussi. C'est de la superstition, tu viens juste de t'en confesser. Pour pas offenser Dieu le Père. J'ai offensé Dieu le Père, moi. Tu pourras pas faire ta première communion avec ça dans le cou. Je le porterai plus, d'abord. C'est correct. Ton acte de contrition, c'est... Les satellites.
Fille, je te dis que j'en avais. Iroquois, les enfants. Un millier se jette à l'assaut de la mission Huron des pères Jean de Brébeuf et Gabriel Lallemand. Puis là, après avoir massacré tous les autres, ils attachent le père Brébeuf puis le père Lallemand à un poteau. Pour les martyriser sauvagement et les mettre à mort dans un abominable calvaire. D'abord, ils commencent par leur arracher les ongles avant de les écorcher vifs. Après ça, ils font chauffer à blanc sur un feu des colliers de fer rouge qui leur mettent dans le cou. Et après tout ça, ils leur arrachent le cœur tout palpitant pour les manger, les enfants, les manger vivants. Hey. Ce sera tout pour aujourd'hui. Vous pouvez rentrer chez vous et réfléchir à la vie et aux souffrances de nos saints martyrs canadiens. Allez, les enfants. Pas toi, Jérôme. Je vais te parler 2 minutes. Tu l'attendras dehors, Clovis. Écoute-moi bien, Jérôme. Je veux être sûr, tu m'entends? Je vous le dis, monsieur le curé, je le lâche pas. J'ai assez peur qu'il se pousse. Attends-moi, Laurence! Au sauvage, au sauvage! Ah, regarde, papa, c'est eux autres, là, les sauvages. C'est eux autres qui ont martyrisé le père Brébeuf, pis l'autre, là. Eux autres, c'était des Iroquois, grand niaiseux. Moi, j'étais un Algonquin. Hey, toi, le sauvage, viens pas nous traiter de niaiseux chez nous, vacarme. T'es mieux disparaître de devant ma face avant que je me tanne. Pis ils ont arraché le cœur, pis ils l'ont mangé tout rond. Ah, mais ça prend-tu des bouts du sauvage, rien qu'un peu pour faire des écœurantries de même? Ton père se pense bon parce que je suis plus petit que lui. Va t'en faire, ouais! Si tu veux une mornifle, t'as juste à le dire! Tu vas m'élever! Veux-tu te battre, hein? Veux-tu te battre? J'ai pas peur de toi, espèce de grande tarte! Toi, je t'ai dit ça à quelqu'un d'ici, maudit sauvage! Fais de l'air, ma carme! Clovis! Clovis! Viens-t'en! Occupe-toi de lui! On va le dire à monsieur le curé! Tu vas voir ça, Hercule Thibodeau! Hey! Garoche-moi donc ça, toi, pour voir!
content de te voir. T'es venu me chercher, hein? Tu vas voir. Je suis fort à cette heure. J'ai pas le droit, Clovis. C'est défendu. Même si t'es fort. Donne-moi ma poche. Je suis bon à pêche, puis à chasse. Puis collet, puis tout. J'ai pas besoin de toi. Go away. Je suis capable de poser des pièges, puis d'attraper des lièvres, puis des remusqués, puis des castors. Je sais comment les nettoyer. J'ai pas besoin de toi. Is that clear? Va-t'en, là. Go away. Tu compris? Je veux y aller. No. Qu'est-ce que dit l'Irlandais? Il a dit qu'il va revenir me chercher. Qu'est-ce qu'il fait donc, Jérôme, qui arrive pas? Vous allez être en retard à l'école. Ouais, ben, il faut que tu y ailles, toi. Tu vas aller au-devant de lui, mais je te préviens, hein? Je te surveille par la fenêtre. Jérôme ira pas à l'école le matin. Il est malade. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'a pas dormi de la nuit. Il a tellement peur que Sam revienne te chercher qu'il en est malade. Pourquoi tu ne vas pas le voir, hein? Puis il disait que tu ne sauveras pas. Ouais. C'est vrai que tu veux te sauver? Moi, là, juste à penser que tu veux t'en aller, là, je suis même plus capable de respirer. Ben non, je veux pas m'en aller, voyons donc. T'es sûre de ça? Juré, craché. Mais si tu me le jures... Tu me le promets, hein? Ouais, ouais. Puis pour te prouver que je suis ton ami, là, je vais aller t'attraper la grosse grenouille de l'étang que t'as jamais été capable d'attraper toi-même. Tu vas faire ça? Après l'école, tu vas voir ça. Bottine, Clovis. T'es bien distrait, donc, aujourd'hui. C'est toujours à moi que ça arrive. Moi? Moi? C'est pas tous les jours vendredi, puis ça te fera pas de tort. Je te signale que c'est la première fois que tu remplaces Jérôme. Je pense que tu lui dois bien ça. Pourquoi c'est jamais le tour d'Hercule Thibodeau ou d'Olivier Levert, hein? Puis va chercher ton trou, Clovis. Puis fais attention pour pas te mouiller encore. Ouais, ouais. C'est qu'il fait, donc? Il pompe de l'eau. D'habitude, ça prend trois chaudières d'eau, puis il est rendu à la troisième. Ça fait qu'il t'avait de sortir pour de bon. Puis le feu, comment qu'il? Il est pas pris pantoute. Cul. T'es sûr, là, c'est juste pour lui faire peur? Mon Dieu! Ben oui, c'est juste pour lui faire peur. On est quand même pas pour y arracher deux yeux puis les ongles. Ma mère a dit qu'il va faire un prêtre. Ma mère, elle a dit qu'il va prendre notre place. C'est pas juste, rien qu'un sauvage. Tu te vois-tu chose à la confesse puis te confesser à lui? Es-tu fou? Ben, c'est ça qui va arriver. Moi aussi, j'aimerais ça faire un prêtre. Ma mère, elle ira au ciel. Hey! Qu'est-ce que vous faites ici, vous autres? Mes robes! C'est ma cachette! Je suis noyée de là! Ta gueule! On attend le sauvage. Ça va pas ça, toi, qu'est-ce que le sauvage ont fait au père Brabant pour au père l'Allemand? Ben, tu sauras qu'ils ont arraché le cœur puis ils l'ont mangé tout rond. Ça fait que nous autres, on a décidé de faire 100 mètres pour le torturer puis lui montrer qu'on se laisse pas faire par les sauvages, nous autres. Oh! Moi, il fait peur aux sauvages, Hérode. Chut! Ça vient! Fermez vos boîtes à cette heure!
sauvage. Tu as goûté la torture toi aussi. Seulement c'est toi qui vas être attaché au poteau. Ah! Oh my God! N'importe quoi! Toi! Qu'est-ce qu'on fait, Esther? Qu'est-ce que tu fais là, Vermeil? Comme la pire chose! Mais tu fou! On avait dit que c'était juste pour lui faire peur! Regarde-là, il tombe comme une feuille! C'est assez, Vermeil! Ta gueule! Moi, je veux couper la tête! La gueule, arrête-le! Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Lâche-le, Vermeil, je peux! Je vais couper les gars sous la même maîtresse! Fais pas ça, Vermeil, tu vas le faire mourir! Comme avec les cochons! Plus de chenille! Tu vas me tuer, mon Dieu! Fuck! Tu vas me tuer! Faut que gagne, là! Il est devenu fou, moi, je promets! Attends-moi, Olivier, attends-moi! C'est les oies sauvages qui reviennent. Il s'est sauvé. Qui? Qui voulez-vous que ce soit? Clovis se sauver? C'est dur à croire. Apparemment qu'il aurait arrangé ça avec l'Irlandais. Il est venu hier, puis il a parlé. Madame Levert l'a vu. C'est pour ça qu'il avait l'air distrait. Ben justement, je voudrais savoir à quelle heure vous l'avez vu pour la dernière fois. Il devait être 4h, 4h15. L'Irlandais a dû l'attendre à quelque part. Il ne paie rien pour attendre celui-là. Demain matin, à l'aube, on va le reprendre à sa cabane. Vous aussi, docteur? Est-ce que je peux compter sur vous? Oui, bien sûr. Jerry. Mais ça me surprend. Reviens ton gars, Norville-Neuve, qu'on fait mieux de le retrouver sans ça, c'est lui qui va payer. On peut pas le tenir responsable, il est malade au lit. Je la connais, sa maladie. Ils ont dû s'arranger ensemble, oui. En tout cas, ils vont s'en souvenir longtemps de la fessée qu'ils vont recevoir tous les deux. Bonjour. Mais, qu'est-ce que tu fais là, toi? Monte te coucher, t'es malade. Je suis mieux, là. Je pense pas que le WC est poussé. Il m'a juré qu'il ferait pas ça. Où c'est qu'il est, d'abord? Il peut t'arriver quelque chose dans l'étang. Dans l'étang? Qu'est-ce que t'allais faire là? Une grosse grenouille. Puis il voulait l'attraper pour moi. C'est de ma faute. Mais non, c'est pas de ta faute, là. Si t'es mieux, viens-t'en. On va aller voir ça. Pas quelque chose, Jérôme. Ça sent le feu, hein? On va aller voir ce que c'est. Il est là, papa, il est là! Oh! Oh! Monsieur! Monsieur! Clovis! Clovis! Le feu était presque éteint, mais... Il y a la plante des pieds brûlée au troisième degré. Ça se peut pas. Il a été torturé.
papa dort encore? Ton père, il est pas monté se coucher hier soir. Monsieur le curé, de bonne heure demain. Je viens prendre des nouvelles du petit, Madame Lafrenière. Est-ce que je vous sers une tasse de thé? Non, non, merci. Je vais aller chercher papa. Oui? C'est moi, papa. Rentre, Mathilde. Comment il va? J'aimerais bien que le pire soit passé, mais il est trop tôt. Vous l'avez veillé toute la nuit? Mm-hmm. J'avais peur aux convulsions. Monsieur le curé vous attend dans la cuisine. Comment va le petit docteur? Son état n'a pas changé. Je peux pas me prononcer encore, mais je suis pas rassuré. Tout ce que j'espère, c'est qu'il restera pas infirme pour le restant de ses jours. Mais qui peut bien être assez méchant pour faire une chose pareille? Un petit gosse en défense. En tout cas, ils l'ont pas manqué. Il y a des contusions diverses. Mais le pire, c'est que... on dirait qu'il a été torturé. Il y a des brûlures sérieuses aux pieds, marchant petit tôt. Vraiment, monsieur le curé, on peut dire que le père Brébeuf est bien vengé. Est-ce que je peux le voir? Non. Il a besoin de repos. Vous le verrez plus tard. Bien, je reviendrai. Docteur. Madame. Bonjour. Tu couches avec tes patients maintenant?